Un départ précipité, de l'argent, de la notoriété, des blessures ou encore des médias à l'affût du moindre débordement. Pour ce quatrième épisode, je pense que vous connaissez la chanson. Le football professionnel est une jungle inhospitalière où chaque année des dizaines, des centaines de grands talents se perdent en chemin et passent à côté d'une carrière folle qu'on leur promettait pourtant. Aujourd'hui, on revient sur les trajectoires incroyables et souvent très particulières de trois joueurs qu'on annonçait comme de très grands espoirs, parfois même comme des cracks générationnels, mais qui se sont malheureusement, chacun pour des raisons différentes, perdus sur le chemin du succès. Bref, installez-vous confortablement, c'est parti générique. On commence avec celui qui était l'un des plus gros espoirs du football italien. Il était d'une précocité et d'un talent absolument fou. Pietro Pellegrini, 15 ans et 280 jours. Si pour beaucoup, cet âge est synonyme de découverte du lycée et de match en U16 le samedi après-midi, eh bien pour Pietro Pellegrini, lui, ça a été les premiers pas dans le football professionnel sous les couleurs de son club de cœur, le Genoa. Il faut dire que depuis son plus jeune âge, l'attaquant italien nous avait habitués à griller les étapes de la carrière de footballeur puisqu'il avait très rapidement mis toute l'Europe du football à ses pieds par son talent et son gabarit hors du commun. L'Inter, Manchester, la Juve, bref, la plupart des grands clubs européens ont toujours suivi de près celui qui est surnommé par son président le nouveau Messi. Et justement donc, en ce 22 décembre 2016, eh bien le nom du prodige fait le tour de la planète foot lorsque le gamin de 15 ans et son mètre 88 entre en jeu en Serie A face au Torino, égalant alors un record de 1937. Pellegrini, under 17 international. Le potentiel et la précocité du nouveau joyau du football italien sont tout simplement phénoménaux. Le pays tout entier est alors persuadé qu'il tient enfin le futur de la Nazionale. Et d'ailleurs Pietro, semaine après semaine, mois après mois, il va continuer son ascension express, puisqu'en mai, à tout juste 16 ans, il devient le troisième plus jeune buteur de l'histoire de la Serie A en claquant son premier pion face à l'AS Roma, avant en septembre d'aller encore plus loin, puisqu'il plante deux banderies à l'autre équipe de Rome, la Lazio, battant alors un nouveau record de précocité et faisant surtout lâcher quelques larmes à son père, dirigeant du Genoa. Clairement, le début de carrière du jeune attaquant est un véritable conte de fées. Il y a tout qui se passe à merveille puisqu'il brille dans son club de cœur et en plus dans le club de son père. Sauf qu'évidemment, qui dit joueur prometteur dit beaucoup de clubs européens à ses trousses, beaucoup de clubs européens qui veulent le faire signer. Et si pendant longtemps le joueur a refusé les avances des grands du continent pour continuer de grandir et continuer de s'épanouir chez lui près de sa famille, eh bien, en janvier 2018, soit un an seulement après ses débuts en pro, eh bien la pépite reçoit deux offres que les dirigeants du club de Gênes ne peuvent tout simplement pas refuser. 25 millions d'euros proposés par la Juventus Turin et par l'AS Monaco, récent demi-finaliste de la Ligue des Champions. Sauf que si un transfert chez la vieille dame paraissait plus sage et plus pertinent pour Pellegrini, puisque ce transfert, accompagné d'un prêt jusqu'en juin 2019 au Genoa, aurait permis à la pépite de continuer encore un peu son chemin avec les rossoblous et de rester aussi encore un peu plus dans son cocon familial, ce qui est quand même très important pour un joueur de moins de 18 ans, et bien contre toute attente, le buteur longiligne va faire le choix opposé, puisqu'il décide en janvier de rejoindre le Rocher monégasque à seulement 16 ans. Ho deciso di scegliere questo progetto perché credono molto nei giovani e danno possibilità ai giovani di mostrare le loro qualità. Changer de pays, changer de championnat, à cet âge-là, c'est très risqué, d'autant plus pour un joueur qui ne compte que 10 petites apparitions en Serie A et surtout qui arrive avec une étiquette de crack énorme, recruté en plus pour 25 millions d'euros, ce qui met beaucoup de pression. Bref, vous l'avez compris, ce transfert à Monaco pour Pietro Pellegrini, au mieux c'est un très gros pari, au pire c'est une balle dans le pied qu'il s'est tiré. Et malheureusement, même si l'ASM à ce moment-là est réputé pour être un club qui permet et qui offre aux jeunes un parfait terrain pour se développer et pour progresser, pour passer un cap, et bien pour l'Italien, c'est pas du tout comme ça que ça va se passer. Car rapidement handicapé par plusieurs blessures musculaires suivies de nombreuses rechutes, Pellegrini ne joue que 24 petites minutes lors de ses 6 premiers mois à Monaco, et malgré un but en août face à Bordeaux, et bien jamais le prodige ne parviendra à s'imposer sur un rocher où il perd sa confiance et tous ses repères. si bien qu'après seulement 22 apparitions en 3 saisons et demie, eh bien le buteur italien quitte Monaco bredouille, enchaînant ensuite des prêts infructueux à Milan puis au Torino, qu'il a depuis rejoint définitivement, un très très gros gâchis. Un gars de 16 ans n'est pas un adulte miniature, nous devons respecter cela. Aujourd'hui, nous pensons qu'un garçon de 15 ou 16 ans a été formé, ce n'est pas vrai. La maturité arrive à 18 ou à 19 ans en ce qui concerne les os et les tendons. Peut-être que s'ils avaient été plus prudents il y a 2 ou 3 ans lors des entraînements de Pietro à Gênes, ils n'auraient pas tous ces problèmes musculaires aujourd'hui. Bon, sur cette histoire, on peut quand même finir sur une petite note positive, une petite note d'espoir. Parce que même s'il est souvent remplacé, bah aujourd'hui Pietro Pellegrini est encore un joueur de Serie A, un joueur plus précisément du Torino, et même s'il a déjà perdu pas mal d'années de carrière, bah c'est important de préciser qu'il n'a encore et toujours que 22 ans, et que potentiellement, peut-être un jour, on pourrait avoir la chance de le voir porter le maillot de la Nazionale. Les amis, avant de passer au joueur suivant, vous l'avez vu, j'ai un maillot très particulier, je pense que la plupart d'entre vous ne connaissent pas ce maillot et je ne le connaissais pas avant de le recevoir. C'est le maillot du Hanoï FC, un club du Vietnam, un maillot magnifique qu'on trouve nulle part, ou en tout cas presque nulle part, parce que justement il m'a été envoyé par un site vraiment incroyable. C'est d'ailleurs le sponsor de cette vidéo, Sangalo, qui est un site qui a eu l'excellente idée de promouvoir et de vendre les maillots de grands clubs de ligues qui sont peu médiatisés en Europe, des ligues souvent asiatiques et africaines, et du coup bah, sur leur site il y a tout un tas de pépites, tout un tas de maillots un peu hipster, assez inconnus, comme ce maillot que je trouve vraiment très très beau. Moi qui suis un fan et un collectionneur de maillots, bah c'est toujours un plaisir d'avoir des maillots que personne n'a. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse, en plus c'est bientôt Noël, allez faire un tour sur le site, le lien est en description, il y a vraiment des pépites et je pense que vous pouvez vous régaler. On continue avec un nom que vous ne connaissez sûrement pas mais que vous auriez dû connaître s'il avait eu la carrière à la hauteur de son talent, Georgios Katidis. L'histoire de Georgios Katidis, bah au départ c'est une histoire banale, c'est l'histoire d'un gamin qui, comme la majorité de ses camarades, se prend dès son plus jeune âge de passion pour le football et ne rêve alors que d'une chose, devenir footballeur professionnel dans le club de sa ville, l'Aris Salonique FC. Sauf que, contrairement à ses petits camarades, ben Georgios, lui, il est fort, il est très très fort, à tel point qu'après plusieurs passages dans différentes équipes de la ville, il rejoint enfin à 15 ans le centre de formation de l'Aris où il va exploser. Et ça va aller très très vite, car après seulement 2 petites saisons chez les jeunes, au cours desquelles il a ajouté à son pédigré 8 sélections avec les U17 grecs, celui qu'on considère désormais comme un grand espoir dans le pays, réalise son rêve et fait ses débuts en professionnel sous le maillot jaune et noir à même pas 18 printemps. La trajectoire du crack grec est tout simplement impressionnante, elle va encore un peu plus s'accélérer dans les mois qui suivent, des mois au cours desquels le milieu de terrain, désormais capitaine des U19 grecs, continue à prendre de l'expérience et s'impose peu à peu comme un titulaire régulier dans une équipe qui termine en milieu de tableau. Bref, c'est donc un début de carrière presque parfait pour le joueur qui vient à peine de souffler sa 19e bougie, et à l'été 2012, le joueur va passer encore un cap dans sa carrière, un très gros cap, puisqu'il mène presque à lui tout seul les U19 bleu ciel et blanc jusqu'en finale de l'Euro U19, après un parcours fou, et notamment un doublé claqué face au Portugal. Si bien que malgré la déception liée à la défaite en finale face à l'Espagne de Récé, eh bien les performances du capitaine grec pendant la compétition, ainsi que ses débuts prometteurs en parallèle en club, ont attiré l'œil d'énormément de recruteurs venus des 4 coins du continent, des recruteurs parfois de gros clubs européens qui poussent donc pour faire signer la pépite grecque, sauf qu'au final c'est pas vraiment comme ça que ça va se passer, parce que Katidis, lui, il est très attaché à son pays, il est très attaché à ses racines, et du coup bah il fait un choix plutôt logique, celui de poursuivre son développement dans la République hellénique, en rejoignant l'un des plus gros clubs du pays, l'AEK Athènes, récent 2e du championnat. Sauf que malheureusement, si ce choix paraissait pertinent pour son développement futur, eh bien cette saison-là, le tableau va totalement se craqueler pour le jeune espoir. Car titulaire dans une équipe qui perd son coach et 24 joueurs au cours de l'été en raison de graves problèmes financiers, le milieu de terrain assiste, impuissant, à la faillite collective des siens, qui rapidement passe de l'ambition d'aller chercher un 12e titre de champion à celle de se maintenir coûte que coûte en première division. Car avec 5 défaites et 2 nuls lors des 7 premiers matchs, l'AEK réalise un début de saison tout bonnement catastrophique. Et le pire, c'est que les choses vont encore un peu plus s'empirer dans les semaines qui suivent. Tout d'abord lorsque le président du club est arrêté en raison des dettes énormes contractées par l'AEK, ce qui bien entendu va déstabiliser encore un peu plus le club. Puis dans un second temps, en mars, lorsque dans un stade de 70 000 places qui sonne creux, eh bien Katidis offre aux siens le but de la victoire face à Veria, mais ne trouve rien de mieux à faire pour célébrer que de faire un salut nazi. Ouais, vous avez bien entendu, il a fait un salut nazi pour célébrer son but, un geste totalement intolérable, qui plus est dans un pays à ce moment-là où la montée de l'extrême droite inquiète énormément. À la fin du match, le joueur va tenter de se défendre en disant qu'il ne connaissait pas vraiment la signification du geste, qu'en fait en faisant ça il voulait rendre hommage à un de ses coéquipiers blessés qui était en tribune en le désignant du doigt, bref que des explications bancales bien entendu. Et logiquement, ce geste, cet événement vont entraîner la fin pure et dure de la carrière de celui qu'on considérait comme le futur de la sélection grecque, qui après avoir été suspendu à vie par sa fédération, puis laissé libre à l'été par son club, fera ensuite quelques piges ici et là en Europe, mais sans jamais et logiquement réussir à passer au-dessus de l'image qu'il s'est construite en quelques secondes aux yeux du monde avec ce geste intolérable. Enfin, on termine avec le joueur de la miniature, celui qui était considéré comme le futur de l'équipe de France, celui qu'on voyait déjà comme l'un des très grands du football mondial, Gaël Kakuta. J'ai vu des choses qu'on ne fait pas quand on a 8 ans. Une feinte du regard, un corner direct, un coup du sombrero. Le petit Gaël avait déjà une aisance technique incroyable. Ça, c'est les mots de Jean-Carl Tonin, alors responsable du recrutement du Racing Club de Lens, la première fois qu'il a vu de ses propres yeux jouer sur un terrain le jeune Gaël Kakuta. Le petit n'avait alors que 8 ans et pourtant, vous l'avez compris, il avait alors un talent absolument terrifiant. Il était capable de tout faire ou presque avec la balle. Et bien entendu, rapidement, il va intégrer les équipes de jeunes du Racing où la pépite chaque semaine va humilier ses adversaires et où il va devenir aussi clairement le joueur à suivre. D'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que quand on lit les témoignages de ceux qui le suivaient à l'époque, pour beaucoup, il était très largement au-dessus du meneur technique, du leader technique, du voisin lillois, un certain Eden Hazard, qu'il affrontait très régulièrement jeune et qu'il a notamment tapé 4-0. Bref, vous l'aurez compris, à ce moment-là, c'était ce qu'on peut appeler un crack générationnel. À Lens, on n'attendait qu'une seule chose, c'est que celui qu'on surnomme alors le Black Zidane grandisse encore un peu pour le voir enfin débuter à Bollaert. Sauf que malheureusement, en juin 2007, tout va basculer lorsque le joueur et sa famille, après des mois de négociations, prennent la décision de quitter Lens pour rejoindre Chelsea dans un transfert avec énormément de zones d'ombre, un transfert qui vaudra 4 millions d'euros de sanctions et une interdiction de recrutement pendant 2 mercatos pour Chelsea. On va pas se mentir, même si la motivation principale du transfert était l'argent, Chelsea ça reste quand même un très beau club et Kakuta rapidement il va trouver ses marques et s'épanouir à Londres où avec la réserve il va faire des ravages. Laissant d'ailleurs au passage complètement bouche bée la légende allemande Michael Ballack, redescendu en réserve après une blessure. Vous devriez aller voir le petit français, c'est un phénomène. Et mis encore 2 ans plus tard, c'est carrément le Mister Carlo Ancelotti en personne qui va faire l'éloge de l'un des meilleurs joueurs de sa génération devant la presse, quelques jours seulement après avoir fait de lui le plus jeune joueur de l'histoire de Chelsea à débuter en Ligue des Champions. Sauf que malheureusement, dans un effectif très fourni dans l'un des clubs anglais où la pression est la plus forte, eh bien le talent seul du crack, aussi extraordinaire soit-il, ne va pas suffire à Kakuta pour s'imposer durablement dans l'équipe. Lui qui, comme il le reconnaîtra plus tard, ne travaille alors que très peu, que trop peu à l'entraînement. Une situation qui en plus va être aggravée par le fait que largement fragilisé par une blessure contractée début 2009, eh bien le joueur français est également suspendu de tout match officiel pour 4 mois en raison de son transfert illégal à Chelsea, une terrible nouvelle. À tel point que progressivement, la star de l'équipe de France U19, qui mène les siens au titre de champion d'Europe en 2010 aux côtés des Lacazette, des Griezmann ou encore des Coquelin, va voir ses camarades rattraper la large avance qu'il avait sur eux, Kakuta payant très cher ses semaines passées sur le banc, à un âge où clairement le plus important est de jouer. À tel point malheureusement que rapidement, les premiers doutes quant à la pertinence de ce transfert de Gaël Kakuta à Chelsea vont apparaître notamment dans les médias. D'autant qu'on le sait, à ce moment-là, Chelsea était vraiment réputé pour sa stratégie très agressive dans les transferts de jeunes joueurs, en recrutant chaque été énormément de jeunes pépites pour ensuite les prêter 2, 3, même 4 fois. Et d'ailleurs, ça va être le cas pour Kakuta qui va être envoyé en pige à Fulham, puis à Bolton, à Dijon, au Vitesse Arnhem, à la Lazio Rome, puis enfin au Rayo Vallecano. Énormément de prêts qui s'avéreront majoritairement décevants et infructueux, où les blessures vont lourdement handicaper l'ancien crack, alors déjà âgé de 24 ans, et qui ne compte en professionnel que 124 petites apparitions. Un total, on va pas se mentir, absolument ridicule à 24 ans pour un joueur qui devait devenir l'un des tout meilleurs au monde. Transféré ensuite au FC Séville en Chine, puis à La Corogne où il enchaînera également les échecs, Gaël est depuis revenu en France, là où tout a commencé et où surtout il s'est enfin réconcilié avec les Préverts, d'abord à Amiens aux côtés d'un certain Serhou Guirassy, puis en Ligue 1 au Racing Club de Lens où il est venu sur le gong offrir une happy end à sa carrière, une carrière qui aurait pu être tellement plus belle. Et donc voilà l'équipe, c'est déjà la fin de cette vidéo, de ce focus sur 3 carrières particulières, 3 histoires de talents gâchés. On l'a vu, c'est pas toujours la faute des joueurs, souvent c'est un entourage, c'est des blessures, c'est des mauvais choix, même si Katidis pour le coup l'a vraiment bien cherché. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a d'autres joueurs qui vous viennent à l'esprit, s'il y a d'autres joueurs que vous avez envie qu'on étudie dans les prochains épisodes. Encore une fois, je tiens vraiment à remercier Sangalo, je trouve que le maillot est très cool et surtout que le concept est incroyable, donc n'hésitez pas à aller sur leur site. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, l'équipe c'était Val, peace.